C'est un nouvel opus que beaucoup de personnes attendaient impatiemment de découvrir sur grand écran. Ce mercredi 24 mai, les cinéphiles peuvent désormais assister à la projection du film La Petite Sirène au cinéma. Un film réalisé par nul autre que le réalisateur américain Rob Marshall ou l'actrice Halle Bailey campe le rôle de la célèbre sirène. À cette occasion, la rédaction de Soir Mag a pu rencontrer certains acteurs présents au casting. Si la majorité des acteurs ont été très heureux de pouvoir tourner cette nouvelle adaptation du film, Javier Bardem avait, quant à lui, une terrible crainte, celle de tourner dénudé. Dans le dessin animé, Triton est torse nu, je craignais vraiment, de devoir l'être aussi, a-t-il fait savoir à nos confrères. Je ne suis ni Dwayne Johnson ni Brad Pitt. Fort heureusement pour l'acteur espagnol, le réalisateur l'a écouté et a ainsi adapté le film. J'ai vraiment supplié Rob Marshall de ne pas me faire faire ça et heureusement, il m'a fait porter une armure, a-t-il ensuite reconnu, soulagé. Supérieur à Penélope Cruz, Javier Bardem, Kristen Stewart, Will Smith, Jessica Chastain, toutes les stars au dîner des pré-Oscars 2022. Javier Bardem, c'est autre condition qu'il a refusé toujours auprès du magazine Soir Mag, Javier Bardem a partagé d'amples révélations sur La Petite Sirène. Si la plupart de ses acolytes poussent la chansonnette dans cette nouvelle adaptation, l'acteur espagnol ne chante pas. Sérieusement, vous avez entendu ma voix ? A-t-il fait savoir à ce sujet, non sans ironie. Une nouvelle qui risque de décevoir ses fans de longue date qui espéraient l'entendre chanter. S'il n'interprète aucune des nombreuses séquences musicales du film, Javier Bardem reste toutefois fan des chansons. Elles sont toutes très spéciales, a-t-il assuré. La qualité de la chorégraphie, du chant, des paroles, de la musique. L'ensemble est de très haut niveau. Une confidence qui en dit long. Crédit photo, Europa Presse.